par rapport à l'engrais, on va faire un petit topo sur les engrais. Tout d'abord, il faut savoir que les hybrides, ça se conduit exactement comme une variété classique. La stratégie des engrais, donc on va sur la méthode des bilans, hein, tout simplement. On a un logiciel rattaché à la chambre d'agriculture. Moi, ça s'appelle même Parcelle, mais il y en a plein d'autres. Donc on rentre notre variété. Chaque variété a un nombre d'unités par rapport au rendement obtenu. Ça va de 8 à 3,2 pour faire simple. Donc ça nous donne une dose bilan qu'on appelle ça. Disons qu'il faut 200 unités pour la parcelle. Après, on fractionne en 3 ou 4, ça dépend des agriculteurs. Moi, je le fais en 3 pour le coup. Bon, par rapport à la protéine, aujourd'hui, ils commencent à mettre en avant qu'il faudrait davantage fractionner. Voilà, peut-être. Ça sera peut-être évolution à faire en cas de passage. Donc aujourd'hui, pour faire ça, moi, j'ai 3 au passage. On fait un début mars en solide, à peu près 50 unités. On en fait un deuxième en liquide, là, une centaine d'unités. Et le troisième, on fait du drone. Pas sur toutes les parcelles, mais on est parti dans le drone pour essayer. Donc le drone, ça consiste à faire voler un petit drone qui cartographie la parcelle, qui nous donne des zones avec des différentes couleurs. Et il nous dit, ben là, vous devrez mettre 50 unités, et là, 100 unités. Et derrière, le dernier rapport, c'est là qu'on fait la modulation de dose, s'il faut 50 ou 100 unités. En état de cause, c'est qu'il faut qu'on ait de la protéine pour arriver à commencer notre produit. Donc les semenciers, déjà, avant tout, ils travaillent. Nous, comme je disais, il va peut-être falloir faire 4 apports pour essayer de valoriser encore plus la protéine pour répondre au cahier des charges. Ben, là, on est plutôt dans ce truc-là. Ah oui, il faut regarder la qualité. Depuis 2 ans, on se rend compte que bon, on a eu des années qu'on n'a pas eu de protéine. Donc forcément, on a eu une décote sur notre tarif. Donc aujourd'hui, on y regarde. Et c'est vrai qu'avant, ils ne classaient pas les variétés par rapport à la protéine. Maintenant, il y a un critère dans les variétales qui dit... Tant de protéines, elle est favorable à la protéine ou pas. Donc maintenant, je pense que de plus en plus, on va y regarder dans notre choix au départ en disant on va plutôt choisir une variété forte en protéines. C'est comme il y a des variétés qui sont très consommatrices d'azote, et bien celles-ci, je pense qu'ils vont naturellement mourir parce qu'on ne va pas aller chercher des variétés qu'il faut mettre 40 unités de plus pour faire l'équivalent d'une autre. Donc je pense que le thème azote, il va vraiment être de plus en plus important dans nos choix de décision au départ sur les variétés.